tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 11 septembre, je crois, il me semble. Il est 7h45, je commence à 10h aujourd'hui, j'ai pu enfin me réveiller un peu plus tard et pas à 6h30 comme tous les jours, donc très contente de ça. Aujourd'hui je suis à 10h-17h30 et j'ai introduction au risque. Donc j'espère que ça va aller, j'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer. J'ai nettoyé l'appartement hier, j'ai fait vraiment un grand ménage, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait vraiment plein de choses. Bah, je vais peut-être vous montrer là vu que j'ai encore un tout petit peu de temps. J'ai pris un poulet à Costco. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo. Donc peut-être mercredi dernier, je sais pas. En tout cas, je suis allée à Costco. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si je l'ai déjà postée ou pas. J'ai découpé tout le poulet. Voilà, j'ai découpé toute la pastèque. Vous voyez, les deux grands trucs de pastèque. J'ai fait un gratin de chou-fleur avec béchamel. Là-dedans, du riz cantonné avec du poulet. Et j'ai fait du coup ma gamelle pour aujourd'hui avec du riz cantonné poulet. Donc voilà, j'ai fait ça, j'essaie de m'organiser pour cette semaine. J'ai fait aussi de l'eau aromatisée pour mettre dans ma bouteille. Et j'ai fait mon petit programme pour manger. Donc j'espère que ça va aller. J'essaie de noter les dates de péremption des trucs là. J'espère que ça va être bien. Bon, vous voyez, je mange toujours la même chose, mais c'est ce qui permet de réduire les frais en fait. Voilà, donc je fais des grosses quantités et après je mange la même chose. Voilà. C'est vraiment comme ça que je m'en sors pour mes courses, pour pas acheter beaucoup de trucs. Chacha en ce moment il se réveille tôt, c'est ouf, je serais réveillée avant moi. Même le dimanche et tout, enfin c'est horrible, je me réveille à 7h30, genre dimanche et samedi j'ai pas pu dormir à cause de ce petit énergumène. Que bon, super hein, ce chat vraiment il est incroyable hein. Et du coup pour ce matin on va se manger, oui j'ai mangé un petit peu de crème de marron, ne me jugez pas, c'est super bon. Avec des fruits, qu'est-ce que je vais prendre en fruits? J'ai encore des figues. Putain, elles tiennent super bien les figues. Donc des figues. On va faire ça. Et les gens me disent, mais Elisa, mais garde la peau et tout, ça se mange. Mais je sais que ça se mange. Je suis pas bête non plus. Mais c'est juste que je n'aime pas. Voilà pour le petit repas du matin. Donc du fromage blanc protéiné, des figues, du miel et du muesli. Ce sublime bol incroyable. Bon, mon sac est prêt, ça y est. J'ai mis ma petite boisson là-dedans. Regardez comme c'est beau, j'adore. Je chiale. Ça vient de chez Chine, à chaque fois on me le demande. Il vient de chez Chine. Pour la tenue, j'ai voulu mettre mon ensemble marguerite. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait une grosse tache. Et du coup, j'ai réussi à le nettoyer hier. Du coup, bah trop contente, je peux enfin le mettre. Là, j'attends que mes boucles se refroidissent pour pouvoir les brosser. Et puis, bah, on sera prêt, écoutez. Du coup, je vous montre ma coiffure avant de partir. J'ai fait des petites couettes. Stromers! J'adore! Oh là là, bad bitch! Oui, dans le sens, si tu veux, t'as des événements, comme tu l'avais dit. Ouais, c'est pas mon esprit. Je viens de rentrer, il est 19h10, j'ai mis 1h40 pour rentrer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout ça c'est normal? Non, j'en peux plus. Genre les horaires de pointe, quand tu finis à 17h30, 18h, c'est un calvaire. Vraiment, le RER, je peux plus, il a 40 minutes où il a avancé super lentement. Déjà que 40 minutes c'est long, mais 40 minutes plus t'avances lentement, genre ça met une heure. Une heure de RER comme ça là. Oh putain, je pouvais plus. Là j'ai envie de me laver, donc c'est ce que je vais faire. Parce que je suis en transpiration là, je n'en peux plus. Bref, je vais aller me laver parce que je ne sais pas plus. J'adore cette tenue, elle vient de chez Primark, pour ceux qui demandent. Voilà, c'est un ensemble. Tu peux l'acheter séparément. Ben, mon chacha à la pâtée, hein, comme vous devinez. Hein. Du coup, là, pour me réconforter un petit peu de cette journée fatigante, petite crème de marron, fromage blanc, pastèque et un petit yaourt au chocolat. Bon, je vous reprends, il est quasiment 21h, donc j'ai eu un coup de fatigue, genre intense, je me sens trop mal, mais bon c'est pas grave. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais en gros, on avait c'était pas un professeur, c'est un coach, on va dire ça comme ça, qui était là pour nous aider pour la prise de décision. Il nous a dit, on ne vous apprend pas à prendre des décisions, vous savez les prendre, mais juste, je vais vous amener à essayer de réfléchir sur ce concept-là. Et c'était drôle, on avait plein d'exercices et tout en groupe. On avait fait pas mal de choses, notamment choisir une personne pour partir en crise sur le terrain, comment l'annoncer à ses collègues, enfin collaborateurs, etc. Comment faire s'il y a un conflit, parce qu'il y en a un qui a été pris et pas l'autre. Enfin voilà, il nous a appris
à faire ce genre de choses, donc c'était vraiment bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était l'alter ego de l'autre prof de la semaine dernière, Bertrand Robert. Vraiment, ils se complètent de ouf, hein. Ça me fait malade, c'est vraiment les deux mêmes, mais d'un point de vue différent. Donc c'est super bien, en plus c'est vraiment quelqu'un, celui qui est venu aujourd'hui, c'est Patrick Desjardins. C'est un ancien chef des armées, enfin voilà, c'était ouf. Donc plutôt pas mal au niveau des profs. Franchement, c'est même pas des profs, c'est des gens qui viennent t'enseigner ce qu'ils ont vécu, c'est genre trop bien. Donc bref, je suis rentrée et en fait il y a la classe qui veut faire un bingo. Avec toutes les phrases qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui a fait le café, par exemple. Où sont les géographes. Enfin voilà, pas mal de petites phrases comme ça qui reviennent assez fréquemment. Il y a une meuf du master qui a eu l'idée de faire un bingo. Du coup, on a noté toutes les phrases et tout. Et là, elle a dit, mais j'aimerais trop qu'il y ait vraiment un bingo, tu vois, un truc, un visuel. Et là, tout le monde s'est retourné vers moi. Comme si j'avais que ça à foutre, vraiment. Et on me dit, là, tu peux faire un bingo. Je suis bon, pas bah, d'accord. Du coup, j'ai commencé à faire le bingo, je vais vous montrer ça. Et j'ai eu une idée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, je l'ai fini. Je me dis peut-être que ça peut passer. Je vais vous montrer ça. Au bingo, vous savez, vous avez le truc pour tourner. Donc ça, c'est le truc pour tourner. J'espère que vous l'avez remarqué. Et en fait, à l'intérieur, c'est les boules. Vous savez, les boules avec les numéros. Et là, en fait, à la place des boules, bah, j'ai mis la tête des profs et des gens qui parlent tout le temps de ça. Genre qui disent tout le temps les mêmes phrases. Du coup j'ai mis, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon moi ça me fait rire, j'espère que ça leur fera rire, sinon je l'enlèverais, mais c'est tout là. Vraiment j'ai galéré à trouver leur tête, hein. Donc c'était assez drôle, voilà. Du coup je vous montre ce que ça donne, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai rajouté des petits effets et tout, enfin je trouve ça trop 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 joli. Donc j'aime trop, j'ai fait un dégradé de bleu, j'ai rajouté les petites ombres, enfin les petits trucs pour faire des formes et tout. Enfin franchement j'ai rajouté la date. Notre master, la tête des profs que je rajouterai au fur et à mesure. Non, franchement, je suis trop contente. Il est 22h34, donc je vais arrêter parce que j'ai aussi d'autres boulots avec une rémunération à la clé, donc il serait temps de travailler. Je vais aller manger parce qu'il est 21h34, je n'ai pas mangé. J'ai fait quoi? J'ai fait un gravin de chou-fleur, mais je sais pas si j'ai envie de ça. C'est que je fais à manger, mais des fois j'ai pas envie de manger le truc. Genre, c'est bien de faire des repas à l'avance, mais je sais pas, moi j'ai pas envie de manger certains trucs parfois. Il y a une belle tête, non? Je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai pas mis de gruyère, j'ai juste mis béchamel et chou-fleur, j'ai dit advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Mais je me sens un peu malade, genre je sens qu'il y a un truc qui se trame. Parce qu'avec les transports, on est tête à tête avec les gens qui toussent et tout. Je sens que j'ai chopé un truc, ça m'énerve. Bah du coup, on va goûter ce que ça donne parce que je suis pas sûre que ça soit bon. C'est chaud. Et ben c'est très bon. Voilà, chou-fleur béchamel. C'est bien. Ah, il faut que je fasse aussi le montage du vlog de mercredi. Ça va me prendre du temps. Je sais pas si je vais pouvoir la sortir. Parce que je suis vraiment fatiguée. Je tombe de sommeil vraiment très rapidement. Genre à 22h, je suis KO. Vraiment, je comprends pas. Mon corps est très fatigué. Alors je fais... Enfin, ok, je me lève à 6h30, 7h30. Mais franchement, demain le réveil, 6h30. Putain, je déteste les transports en commun. On m'avait dit de déménager, d'être beaucoup plus proche de Paris. Mais c'est totalement hors budget. Même si je prends beaucoup plus petit... Genre même là, dans le même secteur que je suis, c'est 1300, 1400. Moi, je suis à 900, donc franchement, j'en sors bien pour le loyer. C'est pour ça que je le garde, cet appart, parce que c'est l'appart le moins cher de la résidence. Un 40 mètres carrés, ça sera, ouais, 1000 balles, quoi. Enfin, c'est exorbitant, les prix à Paris, c'est un enfer. Du coup, bah, on se tape le RER B pour une heure, et un bus pendant une demi-heure, voire plus, souvent plus. Nous sommes le lendemain, le mardi. J'ai mis un petit ensemble, vous allez voir, un peu mieux dans le miroir. Je vais prendre mon sac à dos aujourd'hui, celui qui vient de chez Shein, celui-là. Ça, sachant qu'il faut mettre les lanières et tout là-dedans, mais je sais jamais faire. Parce que j'aimerais acheter mon MacBook, voilà, mon nouvel ordinateur. Ça fait, ouais, un an et demi. Non, deux ans où il faut que je m'achète un ordi. Et là, en fait, c'est plus que nécessaire. J'ai trop de logiciels à mettre, enfin... Comme mon activité, on va dire auto-entrepreneur, s'élargit, j'ai plus de demandes. Du coup, j'ai pas assez de performance, donc je peux pas aller plus vite. Donc c'est un peu chiant. C'est pourquoi je vais aujourd'hui essayer d'appeler la banque, parce qu'en fait, mon plafond et tout, il est trop bas pour acheter un ordinateur. Ce qui est normal, hein. Donc bah, je me retrouve sans ordi depuis... Enfin, sans ordi, vous avez compris. Je veux m'acheter un ordi depuis... Depuis samedi. En plus, j'ai vendu le mien à une abonnée, une étudiante,
Il faudra que je lui file enfin un ordi pour travailler convenablement mes montages, ma programmation, ma data, tout ça. Parce que là, c'est vraiment plus possible en fait. Ça marche plus. J'ai même perdu, dites-vous. Attendez, vous êtes pas loin. Un fichier Excel. Non mais vraiment, un fichier Excel. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est nul. Enfin, ça prend pas de place. C'est genre, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais non. Fichier Excel, je l'ai perdu. Et je l'ai retrouvé dans ma data, du coup. Mais je peux pas le rouvrir sur mon ordi. Vraiment, c'est une galère. Je vais remplir ma bouteille d'eau. Oh là là, il est 45, faut que j'y aille. Je vais remplir ma petite bouteille. Ah oui, je prenne ma pilule parce que ce soir, on a une soirée avec les M2. Enfin, les anciens M2. Et en gros, il y a un truc de parrain-marraine, j'ai pas trop compris. Mais en gros, une petite soirée, un petit verre. Donc, ça sera pour 19h. Ah oui, ma bouffe. J'avais oublié ma bouffe. Pour la bouffe. J'ai pris du riz cantonné, j'en ai pris moins qu'hier parce que je me sens pas trop bien, genre je me sens un peu malade. Du coup, je vous montre très vite fait mon outfit. C'est un ensemble qui vient de chez Pinky avec un crop top qui vient d'Athènes, d'une boutique à Athènes. Voilà ce que ça donne, il y a les poches. Ça, c'est vraiment un basique pour moi, les poches. Voilà, petit ensemble, très sympathique, j'aime beaucoup, ça fait simple. Voilà, t'as une petite soirée, t'as un peu froid, t'es en short, mais t'as un s'habiller, tu vois, j'aime bien. J'aime bien les ensembles comme ça, je trouve ça trop bien. Bon, j'ai pris le RER, c'était un enfer, vraiment les heures de pointe. C'est plus pour moi, 40 minutes à rester assise comme une grosse conne. Je tiens à vous présenter le repas gastronomique de Pierre. C'est chaud sa mère. Pâtes, purée. Carottes. Carottes et chair à saucisse. C'est chaud sa mère. Ah, purée, carottes, Et moi j'ai oublié mes couverts, du coup j'ai pris des... des tuilettes. Des marinées à la japonaise. Oh, montre ça, j'aime bien ça. C'est drôle de voir à quel point on est vraiment pauvre quoi. Des œufs. Non, ça sent super bon ton truc en plus. J'ai mariné à ce soja, je crois que j'en ai mis un peu trop, on va voir. Ouais, c'est de manger. Ouais. Tu penses que je vais y arriver à manger comme ça? Je suis sûr que tu vas y arriver. Certain. Ah, moi j'aurais plutôt fait en mode. Non, là, Ah ouais? Justement, l'asiatique, c'est un peu. Bah, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Bah, bon courage. Je t'avoue que. J'espère que t'as pas faim. J'ai hyper faim. Bah, bon courage. J'ai volé la fourchette de Philippe. Du coup, je tiens à informer ma communauté que je suis déléguée officielle des M2 GGRC. Ça a été un vote unanime, pas du tout. Voilà, je suis fière de moi. Ils ont aimé le bingo aussi. Du coup, là, on est dehors. Il est 16h et quelques, je vais aller chercher mon Mac. Et bizarrement, je suis accompagnée de 3 mecs. C'est mes gardes du corps. Je viens de rentrer. Il est 23h et quelques. Je suis extrêmement fatiguée. Aujourd'hui, on a eu comme matière acteur public. Je vous avoue que c'est pas fameux. C'est pas incroyable. C'est pas ma matière de prédilection. Et on a un sujet qu'on doit faire en groupe. Donc voilà, peut-être que je vous mettrai là si vous avez des idées, n'hésitez pas. Peut-être qu'on a loupé quelque chose, donc s'il y a des gens aussi qui peuvent, je sais pas, m'envoyer un mail qui travaille là-dedans, je sais pas. N'hésitez pas, voilà, c'est pour les acteurs publics. Voilà, si on peut faire un partage d'idées, n'hésitez pas, franchement, moi, je suis preneuse. Et on a fini à 15h, ou 18h30, donc c'est bien. Et on a pu, alors attendez, je vois que ma plante est assoiffée, j'arrive. Et du coup, vers 16h30, je suis partie aller chercher mon Mac à l'Apple Store. C'était très lourd dans mon sac, vraiment. En plus, ça faisait mal au dos, donc c'était pas incroyable pour mettre une boîte dans un sac à dos comme ça, très souple. C'est pas une bonne idée. Je me suis fait bouffer par les moustiques, c'est une atrocité, j'en peux plus. Et du coup, bah, la vache, il est super lourd. Le voici enfin! Après 2 ans d'épargne, voilà. Bon, j'avais pas prévu de l'acheter maintenant. Mais bon, c'est un mal pour un bien, c'est de l'investissement. Et puis bah, je suis en train de me gratter le pied parce que je me suis fait piquer. L'investissement, j'en ai besoin pour travailler. Franchement, si j'avais pas YouTube, data, tout le bordel, j'aurais gardé mon ordi qui fonctionne bien. Je suis extrêmement contente. Du coup, pour les remises étudiantes, je sais pas si vous savez, avec Uniday, vous avez des remises. Donc de base, ils coûtent 3000 euros. C'est tellement cher. Et j'ai eu à 2700 euros et quelques. Et ensuite, après, tu as une carte cadeau de 150 euros sur l'App Store. Donc soit je voulais m'acheter le GoodNotes 6 qui coûte 30 euros, on peut l'acheter avec ça. Soit acheter un accessoire, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore vu, je suis allée à l'Apple Store, j'ai pas vu d'accessoire.
Donc je regarderai sur le site web. Tout à l'heure j'ai voulu regarder mais c'était en maintenance donc comme par hasard. Heureusement que j'ai acheté du coup le MacBook avant qu'il fasse la maintenance parce que sinon j'aurais pas pu l'acheter. Qu'est-ce que je voulais dire après ça? Bah je l'avais dans mon sac à dos donc je ne quittais pas mon sac à dos des yeux. Je le gardais comme ça genre vraiment littéralement. On est allé boire un verre avec les copains. Et après il y a 3 meufs donc 2 poissons et 1 cancer. Donc c'est incroyable quand même, on est 3 poissons et un cancer. Enfin, on est 2 cancers en tout dans la promo. Il y avait une meuf, c'est le cancer d'ailleurs. Elle est franchement les signes d'eau, vraiment, je vous jure, des pépites. Hein. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais on est incroyable. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, je vais te faire tester de la bouffe et tout, libanaise. Et c'est moi qui t'offre et tout. Genre, elle a vraiment un grand cœur, c'est trop chou. Et moi, vous savez, quand on m'offre des choses, c'est pas le fait que ça soit gratuit qui me plaise. Voilà, bon, parce que je rigole beaucoup autour de ça, c'est bien quand c'est gratuit. Mais c'est le geste de dire bah vas-y je vais t'offrir ça et tout, ça me fait plaisir que tu découvres ça, enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre le plaisir de faire plaisir pour moi c'est tellement important, c'est le plus beau plaisir qu'on puisse trouver je trouve. Et du coup on a mangé libanais à mouftar, c'était très bon, c'était des saveurs que je connaissais pas du tout parce que moi je mange pas des trucs un peu exotiques comme ça. On a rejoint donc tout le monde à un bar en fait qu'ils avaient privatisé, donc on était les anciens M2 et nous, c'est sympa, on avait nos tuteurs, ils vont pas faire grand chose hein, mais nos tuteurs du coup c'était assez sympa, on a tous rencontrés, parlé avec eux et j'avais toujours mon Mac avec moi et c'était super lourd dans le sac à dos et en fait j'avais la barre, je crois que j'avais un bleu, j'avais la barre de la boîte parce que vraiment c'est très lourd, je sais pas combien pèse l'ordi mais la boîte a fait au moins 5 kg, c'est pas possible. Donc j'ai pris le MacBook Pro Apple M2 Pro 16 Go, 1 Tera de stockage, je l'ai pas encore déballé hein. Parce que vous me connaissez, je vais faire un déballage ASMR, sauf qu'avec cette luminosité là, c'est pas possible. Donc je vais prendre mon mal en patient, je vais essayer de faire ça demain matin avant d'aller en cours, donc me réveiller un tout petit peu plus tôt et faire donc ce truc ASMR. En plus, ce midi, j'avais oublié ma fourchette. Voilà, Elisa, très intelligente, merci. J'ai pas préparé ma bouffe, faut que je prépare ma bouffe. Bref, je vais me laver et on se retrouve demain pour la journée mathématique parce que oui, on va faire 9 heures de maths. Est-ce que vous êtes ravis? Oui, moi aussi. Bon, et eh bien, ça y est, j'ai fait le petit unboxing ASMR. Donc, comme ça, le lendemain, il est 8h30. Je vais bientôt partir parce que je vais être en retard. Donc, voilà la bête, c'est incroyable. Par contre, il est extrêmement lourd. Je sais pas s'il est plus lourd que mon ancien ordi, mais il est vraiment trop beau. J'adore les côtés carrés comme ça. Je trouve ça super joli. Au niveau des touches, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça beaucoup mieux. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis extrêmement contente. Vraiment. Et j'ai vu que les fils maintenant de ça là, ils sont en, vous savez, cordé parce que le mien il était en fil normal, vous savez, ça s'abîmait. Tout est beaucoup plus lourd, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais mettre ça en attendant, donc ça je vais le formater je pense ce soir en arrivant, je vais pas le prendre avec moi aujourd'hui pour la vente, mais vraiment, waouh. J'ai envie de prendre quand même une coque, tellement que ça me perturbe, mais il a exactement le même design que mon iPad. Pour aujourd'hui j'ai mis une robe bleue, comme il fait un peu chaud aussi, un peu frais, cette robe là elle est super bien parce qu'elle est doublée et elle est vraiment chaude, c'est un truc de ouf, je pensais pas à ce point mais elle est très très chaude, donc j'espère que j'aurai pas trop chaud, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que hier, ah oui je vous ai pas raconté hier, mais hier il a plu de ouf et de base on devait finir comme je vous disais à 18h, je sais pas si je vous l'ai dit, on devait finir à 18h, on a fini plus tôt, du coup moi j'avais prévu que pendant qu'il pleuve on soit en cours, en fait bah non du coup on était dehors donc j'avais les pieds trempés. Oh, les pieds trempés, j'avais tout trempé. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'avais mes cheveux trempés. Quand je suis revenue, je les ai lavés, ça fait tellement du bien. Donc là, je les ai vite fait lisser, enfin j'ai juste lissé quelques mèches. Et en dessous, c'est bouclé. Genre, je sais pas si vous faisiez ça au collège. Les personnes qui ont les cheveux ondulés, genre nous, on lissait juste les mèches du dessus. Et on oubliait des fois le derrière. Je sais pas si... Parce que moi c'était toujours mon cas, c'était très très drôle. Aujourd'hui on a statistiques, voilà, donc j'ai préparé mon petit sac. On va faire des maths toute la journée. J'ai mal au dos, genre là, parce qu'il y avait le carton qui me tapait dans le dos tout le long où je marchais. Ah mon chacha. Bon allez, let's go pour 9h de maths. Oui, non, je vous ai pas dit aussi, on a organisé une pré-rentrée pour les M1. Moi, de base il n'y a pas de pré-rentrée pour les M1. Nous, l'année dernière, on n'avait pas eu. Et donc, on les a invités aujourd'hui avec ma directrice. Bon, ça va, je suis bien habillée. Ouais, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, on a une réunion pendant une heure. Ouais, on va essayer de leur expliquer, etc. Donc, voilà, on aura ça avec les M1. Plus, il y a plusieurs M1 qui sont venus me stalker sur Instagram. J'adore. Ça me fait trop rire. Parce que les gens ne savent pas, mais moi, je vois qui me regarde et qui n'est pas abonné. Et j'aimerais bien que vous vous abonniez. Voilà, je veux
que vous abonniez. Autant s'abonner au lieu d'aller sur la barre recherche, regarder mon prénom, machin, c'est relou. Donc abonnez-vous, c'est ElisaBRTOF pour TikTok et Instagram. Il faudra que je fasse aussi la miniature, parce que je ne l'ai pas faite. Ah oui, je vous ai mis aussi sur TikTok les nouveautés Halloween BM. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté vite fait à BM. Pas les trucs Halloween, parce que ça sera une vidéo dédiée, mais les petits trucs à la con et tout, franchement c'était pas mal. C'est moins cher que Action, un peu quand même. Allez, on se retrouve en maths. Vous savez pas quoi? J'ai oublié mon iPad. Du coup, bon, ça va, pour prendre les cours, c'est pas grave, j'ai mis mon cahier. Mais j'ai pas pu faire la miniature de ce vlog, du coup, je l'ai faite sur le téléphone. La miniature, elle est horrible. C'est un carnage. Non, mais je vous jure, vraiment, ma miniature, elle est horrible. Genre, c'est une catastrophe. Et en fait, j'aurais pas le. Enfin, comme il y a la pré-entrée des M1, là, je sais pas si j'aurais le temps de rentrer avant qu'elle soit en ligne. Là, on a la pause déjeuner. Comme d'habitude, je vais manger mon riz cantonné. Je suis en train de chercher la salle pour aller manger. Le prof est super sympa, je l'avais eu en L3 en fait. Et il était vraiment trop gentil, mais ses contrôles étaient très très durs. Genre vraiment, c'était un enfer. La semaine suivante, j'ai réussi à négocier pour qu'on reprenne plus tôt parce qu'on avait 2h30 de pause. Et en fait, il a cours. Donc c'est logique qu'ils prennent autant de temps. Donc j'ai réussi à réduire à 2h. C'est bien. Bon, du coup, je viens d'arriver, il est 20h. Tu veux du poulet, mon cœur? Tu donnes du poulet? Eh ouais, on va donner du poulet à son chat. Parce que c'est un chat de luxe. Ah, t'es un chat de luxe, toi? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu donc cours de maths. Faut savoir que mon prof de maths, là, celui que j'ai eu aussi en L3 gestion finance, c'est une crème, vraiment c'est un amour, c'est une bichette, vraiment une bichette. On dirait limite un cancer, vous voyez? Tiens, oui, attends, tiens, plein de poulets. Tu te rends compte? Là, c'est pas tous les chats qui ont ça. Hein. Mais le problème c'est que bah, son cours, bah, c'est des cours de L1, genre comment faire une moyenne, une covariance, écart type. Fréquence cumulée, enfin on l'a tous vu plus ou moins au lycée aussi je crois. Donc ça franchement c'est assez simple, après je pense que c'est plus le chapitre 3 qu'on va faire qui va être un peu plus dur, enfin je sais pas, vraiment je sais pas. Mais c'était quand même assez simple du coup en 6 heures. Moi clairement je me suis fait chier parce que voilà, je connaissais, je pense que les autres aussi se faisaient chier. Mais bon, faut remettre les bases pour tout le monde parce qu'il n'y a pas que des gens d'école, il y a aussi des professionnels. Donc, bon, après, les professionnels, ils savent faire une moyenne. Enfin voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de se faire un manger là parce que j'avais prévu quoi là? J'avais pris. On est quel jour? Ah, les pâtes champignons. Putain, c'est vrai, faut que je les fasse. En fait, alors attendez, le programme la semaine. Du coup, vendredi, moi je travaille pas le vendredi. Genre, j'ai eu un jour de sauté. Donc, vendredi, samedi, dimanche, avec ma soeur, on va chez mon père. Mais il n'y a pas mon père. Du coup, on ira dans sa maison de campagne, parce qu'il y a la piscine, il va faire beau et tout. Il va faire 28 degrés. Elle va venir avec sa fille, donc ça va être trop bien. Voilà, un truc gonzesse. Donc, si je fais à manger, genre, ça va pas rester comme ça 3 jours dans le frigo, on est d'accord. C'est très stratégique la bouffe, là, vraiment très stratégique. Mais du coup, les pâtes aux champignons, ça peut attendre, ça peut être périmé 3 jours, ça va, non? C'est des pâtes. Je sais pas si ça peut être périmé. Ça peut attendre 2 jours. Ouais, on est d'accord. On va manger un chou-fleur, c'est bon, c'est mieux. Je sais plus ce que je vous disais, mais bref, du coup, le cours de maths, bon bah c'était. Attendez, je vais vous poser. Oh, j'arrive pas à te parler, oh là là. Ensuite, après, on avait la rentrée des M1. J'ai pas pu vous filmer parce que c'est pas possible vraiment de filmer ça. Mais je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc, il y avait ma directrice et il y avait les M1 donc, qui ont été pris. On a un aussi en gestion finance. Donc, je pense qu'elle prend qu'une seule personne en gestion finance. Donc, c'est quand même chaud quand même. C'est incroyable. On a bien parlé tous ensemble. Franchement, ils sont super sympas. Je suis vraiment trop contente d'avoir ce genre de profil parce qu'ils sont vraiment très sympas. Et du coup, avec la directrice, elle a commencé à présenter un petit peu les masters, machin, etc. Enfin, voilà le master. Et elle a parlé du rapport de stage. C'était ping-pong entre nous, c'était très drôle. Franchement, elle a fait des petites réflexions à mon sujet, mais c'était dans l'humour et moi j'ai essayé de répondre aussi dans l'humour. Bah, il n'y avait pas de méchanceté, mais ça se voit qu'elle est très exigeante et je l'ai bien dit aux autres, je dis elle est très franche. Et j'ai dit devant elle, elle est très très franche, elle prend pas de pincettes, elle s'en fout totalement. Et voilà, donc en gros, c'est fait un petit ping-pong, voilà, on a rigolé, elle rigolait quand elle me taquinait, moi je rigolais quand je la taquinais.
Voilà quoi, donc bon, c'était sympathique, on est resté je pense 1h30, enfin moi je suis restée 1h30 avec eux, parce qu'après 1h30 de transport, sachant qu'il y avait encore des problèmes sur le RER, voilà, c'était un peu chiant, donc ça fait 20h, j'avais envie de formater un petit peu mon ordi là ce soir, de le mettre à jour, parce que j'ai qu'une envie, c'est de faire ça depuis tout à l'heure. Est-ce que t'as mangé tout le poulet? T'as mangé tout le poulet mon gars, et t'en veux encore? Non, c'est bon, on a fini de manger. Ah non, t'en veux encore? Demain, je vends mon ordi à l'étudiante. Je la vois après mes cours, donc il faut que je le reboote et que je vide tout, que je nettoie, que voilà, je le prépare quoi, pour lui vendre. Là, je suis en train de faire les transferts de fichiers de là à là, au nouvel ordi. Et regardez, ça fait déjà 5 minutes. Et que ça... Oh, il reste environ 7 heures! Non, c'est pas possible, les gars! Mais j'ai besoin de. Waouh! J'ai besoin de mon ordi! Il y avait trop de fichiers! J'aurais dû faire ça hier, mais j'ai pas eu le temps, j'étais éclatée! Alors, moi, faut savoir que j'ai des fonds d'écran incroyables. Donc, ça, c'est Antonin. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vlogmas. C'est un mec de mon master et il est trop sympa, je l'aime trop. Il a pris des photos, il a mis ça en fond d'écran. Je l'ai gardé parce que je trouve ça incroyable. Et dès que j'ai une notif en cours et que je vois mon téléphone s'animer, je vois sa grosse tête. Même le matin, en se réveillant, voir ça, je vous jure, c'est. Tu te réveilles vite! Au retour pour rentrer à la maison, j'ai regardé les vidéos de Ludo's Makeup hein, pour les calendriers de l'Avent comme chaque année et du coup j'ai regardé celui de YesStyle. J'étais prête à me lever à 4h du matin, vous voyez, pour la voir, mais j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Oh, regardez ce chat, attendez. Non mais ce chat est d'une mignonnerie, je suis fan de lui. Non mais regardez ça, il se nettoie les oreilles, putain de chien. Bref, je pense pas le prendre parce qu'il y a beaucoup de make-up. Moi je suis pas très make-up, enfin j'en ai un peu rien à foutre. Ah mais à chaque fois que je vous retourne il l'arrête. Vas-y, fais avec ton bras là! Et moi, le make-up ça m'intéresse pas trop, je suis pas très make-up moi de base, je me maquille très très peu, genre je me maquille juste les yeux, la peau je fais rien du tout, genre. Donc ça me tentait pas, malgré qu'il soit extrêmement beau. J'ai vu celui de Blissim, il avait l'air plutôt pas mal, pas trop cher en plus, à un petit budget, enfin un petit 70€. Donc j'ai vu aussi le Sephora, bon j'avais déjà vu le Sephora vu que je bossais avec Sephora avant. Et je savais ce qu'il allait avoir en gros, et franchement je sais pas encore, 150€ quand même, c'est cher. Il y a le Lush aussi que j'aimais bien, mais c'est trop cher. Et du coup, bah, je sais pas. Look Fantastic, je le prends chaque année. Je crois que j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Je sais plus. Non, si, je l'ai vu, je crois, mais j'ai pas aimé. Donc en ce moment, j'y arrive pas. Je pense que je vais me prendre cette année des calendriers d'avant chocolat, c'est très très bien. En plus, mais j'aime bien pendant les vlogmas et tout. Si je fais des vlogmas, si j'y arrive, mais je pense pas. Peut-être. Ah, quoique, avec mon ordi, ça peut être un petit peu mieux. Donc peut-être que je ferai des. Je sais pas. Non, c'est pas possible de faire des vlogmas quand tu bosses en entreprise. Peut-être le Yves Rocher, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris Yves Rocher, peut-être que c'est bien, je sais vraiment pas. Bon, je suis un peu perdue en calendrier de l'avance. Si vous avez des marques que je ne connais pas, après il y a Yankee Candle, mais c'est pas rentable quand je regarde les prix. Bon, ça y est, mon ordi, le nouveau, est configuré. Là aussi, je l'ai formaté, j'ai tout fait comme il fallait, donc ça c'est top. Ça fait vraiment bizarre par contre, vraiment j'étais en mode j'étais un peu émue j'avoue. Parce que bah, c'était mon premier ordinateur. Genre vraiment mon tout premier et j'ai tout fait avec, j'ai monté ma chaîne YouTube avec, j'ai fait tous mes montages, j'ai acheté le logiciel de montage Final Cut Pro après, ensuite j'ai découvert des logiciels de programmation, de retouche, de graphisme, R, j'ai un peu glow up avec lui, avec cet ordinateur là, et maintenant je pense qu'il est temps de glow up un peu plus. Et je vous jure je suis trop émue parce qu'en fait c'était mon premier ordi, que je me suis payé avec mes premiers salaires Truffaut. Du coup, bah, je suis désolée pour la lumière qui clignote. C'est chiant. J'avais tellement économisé et tout. J'avais fait tous les jours fériés, les jours en plus qu'on me disait de faire, je les faisais. Tout ça pour m'acheter un ordinateur pour pouvoir créer ma chaîne YouTube. Parce que sinon, je pouvais pas. J'avais pas d'ordi, j'avais pas de logiciel de montage. Et iMovie, c'était gratuit, quoi. Il n'y avait pas de choses à acheter quoi, donc vraiment contente quand j'ai mon ordi, j'ai fait le soir même tous les montages vidéo, j'ai tout appris comment il fallait faire et tout. Enfin, vraiment c'était la bonne période et j'avais tellement négocié aussi le prix de cet ordi, je crois que au total j'avais payé 800€ au lieu de 1008, enfin vraiment c'était incroyable. Et avec mes premiers salaires Truffaut, c'était incroyable, vraiment. Voilà, ça y est, enfin je n'aurai plus de problème de stockage. Vraiment là, la fatigue elle est un peu plus présente parce que les transports sont chiants. C'est ça en fait qui me tue, c'est les transports. Bon, nous sommes le lendemain, j'ai mis mon petit haut jaune. Je sais plus où je l'ai acheté, je crois que je l'ai pris à...
à Bershka en promotion. Je l'avais vu à Athènes et je l'aimais trop. Et là, j'ai vu en France en promotion, j'étais ravie. Du coup, petit jean. Ça faisait longtemps que j'ai pas mis de jean. Ça faisait 2-3 semaines, je crois. Petit jean, faut que je mette des baskets parce que je sais pas si elle va pleuvoir ou pas. Aussi, je mets mes sandales. Je vais mettre mes sandales au cas où. Donc, aujourd'hui, nous avons SIG. Donc, on va être sur l'ordi. J'espère que je vais pouvoir travailler avec mon ordi à moi. En tout cas, j'ai pris mon ordi et là j'ai mis l'autre Mac avec la pochette pour pas qu'on voit que j'ai un Mac, même si bon clairement qu'il y a deux Macs dans mon truc, je sais pas, mais voilà, en tout cas il faut que je prenne ma gamelle. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette journée ordinateur. Faut que je prenne mes lunettes anti-lumière bleue. Puis bah écoutez, let's go pour cette journée. J'ai eu vraiment du mal à me lever parce que j'ai pas dormi de la nuit, genre j'ai beaucoup cogité, ça fait des cauchemars aussi, genre des rêves bizarres plutôt, genre c'était chiant. Vraiment chiant. Je noterais 2 sur 10 là à mon rêve. C'était pas ouf. En plus, il avait l'air tellement vrai. Je suis sûre que c'est un rêve prémonitoire. Ça me saoule. Je vais tout faire pour pas que ça se réalise. Du coup, je suis extrêmement en retard parce qu'il y a eu un double suicide à Luxembourg, donc là où je m'arrête. Et juste après, à Gare du Nord. Du coup, bah, tout est bloqué. Je suis en retard. Tout le monde est en retard. Double suicide en même temps. C'est extrêmement triste. Bouffe, mais je vais avoir trop faim après. Il y a si peu. Bah oui, pourquoi t'as pas fait un petit complément de franchement j'attends. C'est quoi? Lumi. On sait pas qui c'est du coup. Lumi. JP. Bon, allez, on y retourne. Yes. Vous avez réussi à faire ça. Yes. J'adore. Du coup là j'ai rendez-vous avec l'abonné qui va m'ajouter mon ordinateur. Donc là je suis à Denfert Rousseau et c'est super beau. Vous pouvez me taper, vraiment, je suis une bouffonne. Donc j'ai bien remis l'ordinateur à l'abonné, elle était trop contente, elle est trop mime en plus, trop belle. Et donc je reprends le RER, etc. Je fais tout mon trajet. Tu vois, vraiment tout. Genre j'allais prendre mon bus. J'avais fait au moins une bonne trentaine de minutes de RER. Je sors du RER. Je vois quoi? Mes deux chargeurs de Mac. Oh putain, j'ai oublié le chargeur. J'ai oublié de filer. Et du coup, bah, j'ai vite repris un autre RER qui était juste là. Donc je l'ai eu direct. Je l'appelle et tout. Je fais, j'ai oublié ton chargeur, etc. J'arrive dans 15 minutes, vas-y et tout. Du coup, j'arrive quasiment à Denfert. Et elle m'a dit, non mais t'inquiète, genre, ça pouvait pas. Enfin bref, t'inquiète, on se refilera la semaine prochaine. Enfin voilà, je suis vraiment mais débile. Donc du coup, j'ai dû refaire le chemin retour. J'ai mis 3 heures pour rentrer. Voilà. Je suis fatiguée, les transports en commun, je ne peux plus. Alors faire deux fois le même chemin en l'espace d'une heure, c'est génial. Ça y est, on a fait SIG. Donc il y a des SIGistes du coup dans mes abonnés, je crois. Donc ce qu'on a fait, bon, c'est des trucs assez simples. Et en fait, j'étais la meilleure de la classe. Bad bitch. Genre, je lui montrais et tout. Et en fait, t'as une marge d'erreur. Faut que ça soit inférieur à 1 pour que ça soit bien. Tout le monde était genre à 11, 1,8 aussi, etc. Moi, j'étais à 0,18. Genre, vraiment bad bitch. Donc, j'avais des bons trucs, je faisais des bonnes choses. Et je lui montrais, et même au prof, comment moi, je faisais pour avoir moins d'erreurs avec des mathématiques, quoi. Il était choqué et tout. Il est en mode, mais je peux même pas présenter votre projet parce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on verra pas les erreurs. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, je suis bonne en SIG, mais c'est pas du tout mon dada. Hein. Franchement, même pour la programmation... Sur le logiciel, en tout cas c'est le logiciel QGIS, c'est le truc gratuit. Même la programmation, quand on écrit ça marche même pas. Genre pour te programmer à l'écrit, il faut vraiment utiliser leur base à eux pour que ça fonctionne, vraiment c'est un enfer. Donc voilà pour ça. Enfin, il va falloir que j'upload la vidéo de 50 minutes chez mon père. D'habitude j'ai un problème de stockage, là j'aurai un problème de connexion. Je chiale. Du coup voilà, en tout cas ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai bien aimé SIG, c'était plutôt sympa, mais c'est vraiment pas quelque chose qui fait pour moi. Voilà, on parle beaucoup de points de contrôle, etc. C'est ce qu'on fait déjà en montage. Quand on fait aussi souvent des points de contrôle, c'est assez précis, donc moi j'étais bonne en précision. Au niveau des couches, c'est comme Procreate, donc c'est pas quelque chose qui me change.
Donc ça va, je comprenais assez facilement, c'était assez intuitif, c'est pas compliqué. C'est vraiment un travail qui est long, quand tu dois faire chaque bâtiment, genre les catégoriser, les machins, les ceci, oh là 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 là, je sais pas comment vous faites, moi je... Oh, c'est long. Et lui, il a fait ça pour La Réunion, notre prof, et aussi une partie du Brésil. Et en plus, à La Réunion, c'est horrible, parce qu'il y a les montagnes et tout, faut tous les faire, la typologie, c'est hyper long à faire. Donc je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, no way que je passe ça, moi. C'est trop long. Bon, je me suis lavée et je vais me démaquiller. Je trouve que ma peau va beaucoup mieux, je suis trop contente. Je vais me démaquiller, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait ma valise. Enfin, ma valise. J'avoue, je sais pas trop quoi apprendre parce qu'il va faire chaud. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le monoï. Arriver lundi bronzé comme Jaja. Là, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. J'ai des travaux à rendre pour la semaine prochaine, donc là, ce week-end, je vais devoir faire le montage du vlog, les miniatures et tout le bordel. Ça va prendre du temps, ça encore. J'ai pas encore essayé de monter sur le nouveau Mac, donc hâte de voir ce que ça donne hein, au niveau de la rapidité, etc. Et aussi, je vous en ai parlé sur Instagram de ça. Je voulais me former au Power BI, BI, on va le franciser un petit peu. Et c'est des trucs de programme, de traitement de données, machin, etc. Et je regardais pour le compte CPF du coup, sauf qu'il faut faire son identité numérique, j'ai pas trop compris. Donc il faut que j'aille à la poste, qui vérifie que j'ai bien 26 ans, je sais pas quoi, mais Dieu, chouette, enfin voilà. J'ai vu les prix des formations en data, je crois que, faut rater les conneries, c'était du 10 000 euros, 9 000. 12 000, 20 000, ils sont fous. Je me suis dit, ok Lisa, on va faire autrement, mais en même temps c'était des diplômes reconnus par l'État. Je pense pas que mon CPF soit aussi élevé, c'est 500 euros par an je pense, ça fait 7 ans que je travaille, je dois avoir 3500 ou un petit peu moins. Pas 10 000 balles quoi, je peux pas les utiliser. Donc vous m'avez conseillé des sites, j'ai regardé aussi des cours, des livres et tout en PDF. Pour apprendre et j'en ai vu quelques-uns pour Power BI, j'ai vu aussi sur Microsoft il y avait des trucs. Et sur Microsoft aussi il y a Excel, donc en fait il faut que je m'entraîne un petit peu. Toujours mieux pour l'alternance de savoir bah, déjà un peu les bases quoi, c'est toujours mieux. Donc j'essaie de me former un petit peu, même si je connais quand même, hein, mais j'en ai fait pendant un an. Après c'est facile, hein. Si j'ai réussi à faire du SIG aujourd'hui et à être excellente, je peux être qu'excellente dans les autres logiciels. Hein. Faut toujours y croire, dès que tu y crois, genre vraiment fortement et que tu mets les moyens de réussir, je te jure tu réussis tout. Tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Il y avait une histoire dans le livre là, que j'ai lu, c'était deux paysans qui demandaient au prêtre de la pluie, etc. parce que c'était la sécheresse, et le prêtre il a dit bah priez, croyez-y, tu vois. Je sais pas si ça se dit croyez-y, mais bon, vous avez compris. Les deux mecs ils reviennent la semaine d'après voir le prêtre, en lui disant on a prié tous les jours, il n'y a pas eu de pluie, etc. On voulait vraiment qu'il pleuve aujourd'hui, on a vraiment prié pour ce jour, etc. Et le prêtre il a dit mais si vous y croyez vraiment, vous aurez dû ramener un parapluie. En mode si vous croyez vraiment vos convictions, ramener un parapluie, il va pleuvoir. Et j'aime bien cette petite histoire, ça m'a fait rire, donc croyez-y. Mais bref, je vous retrouve demain, parce que demain bah, c'est parti pour la grande aventure. La piscine demain, oh là 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 là, le bronzage, ah, incroyable, ça va être trop bien. En plus je vais y aller qu'avec ma soeur, il y aura personne pour nous faire chier, il y aura sa fille est vraiment, j'ai jamais vu un bébé pareil, le bébé fait ses nuits directement, genre il n'y a pas de galère, elle dit rien, genre je la fais chier H36, vraiment, je la fais chier de ouf, genre en mode comme ça, genre réveille-toi et tout, je lui prends les pieds et tout, j'essaie de la réveiller, tu vois, de wake up, tu vois, et non, elle rigole, elle sourit, elle s'en bat les couilles, ça c'est vraiment les cancers, ça je vous kiffe les cancers, après c'est l'ascendant lion, ça va bientôt arriver là, le caractère il va arriver, on va rien comprendre, là pour l'instant elle se laisse faire, elle est trop mime, c'est vraiment, c'est une petite crotte, voilà. À demain. Bon, nous sommes le lendemain, il est 8h30, je vais pas tarder, je me suis pas maquillée ce matin. J'ai des petits boutons qui me font trop mal là, c'est horrible. Donc là vraiment très basique aujourd'hui vu que je vais faire de la route. Ah faut que je change ma coque de téléphone. Haut et short noir. Pourquoi noir? Parce que bah Mère Nature va débarquer pile au moment où je serai dans la piscine. Mais j'en ai rien à foutre, ce sera à couleur grenadine, je m'en fous. Donc je vais y aller, je suis en train d'aérer l'appartement là pour que ça soit un peu plus frais. J'ai préparé les affaires pour Prince. Et après bah il y a mes voisins qui viendront le voir. Là il est sur le balcon. S'en bat les couilles. Faudrait peut-être que je refasse aussi ma queue. J'arrive pas à faire une queue de cheval. Là. Du coup, je vais vous embarquer avec moi, mais avec mon téléphone, ce sera plus simple que d'emmener ma caméra. Faut pas que j'oublie de prendre la carte mémoire pour que je puisse faire le montage. Du coup, on va y aller, on va chez mon père, mais sans mon père. C'est un concept. Il est parti.
ici et là je cherche du GPL parce qu'en fait c'est la dèche. Genre on a décidé de prendre ma voiture parce qu'elle consomme moins, mais du coup j'ai rien pour consommer. C'est un truc de ouf. Bon bah du coup je suis en train de mettre du GPL, ça va 93 centimes, c'est vraiment pas cher pour la zone. Je sais pas où est-ce qu'on est, on doit être entre Orly et je sais pas où. Ça y est, ma titine est remplie. Ça va 18 euros pour faire un plein. Pardon, vous êtes en train de bouger. Donc là, on est arrivé, on est en train de faire les petites courses. Je vais chercher les champignons. Oh, qu'est-ce que c'est cher ici, vraiment, c'est ouf, hein, les petits commerçants là. Et on arrive d'ici 15 minutes, on va devoir appeler les voisins pour nous ouvrir parce qu'on n'a pas du tout les clés. Bon, petit retour de course du coup. On a acheté des sneakers comme ça, incroyable. On a pris des yaourts comme ceci, pâtes, knacky, boulot, crème, banane, champignons. Et on avait aussi ramené des choses. Ça y est, je suis enfin prête. Je vais pouvoir aller me baigner. Il fait super chaud. On a dû nettoyer toutes les feuilles. Je vous ai fait un avant après sur Instagram. C'est extrêmement drôle. C'est l'automne, ça y est. Il y a des feuilles de partout. Donc là, maillot de bain, petits sneakers et bronzette baignade. Ça va être génial. Ah ouais, elle est belle la vie. Tiens, cadeau. Je sais pas s'ils sont meilleurs ceux-là. Mais j'ai pas senti les crisps. Les crisps ? Ouais, parce que c'est crisp, non ? Ah non, pas là. Ah ouais ? Bon bah du coup, Là, j'ai en train d'appeler son mec. On s'est posé au bord de l'étang. Donc c'est trop bien. On a commandé pizza et petite nappe. Extrêmement grande d'ailleurs. Avec cette vue incroyable. Donc peut-être avec les pizzas, on ira se poser là-bas parce qu'il y aura le coucher de soleil, je pense. Il migre vers où, Mimi, là ? Je sais pas, mais ils sont vénères, là. Regarde ça. En fait, ils essayent de se décider de quel côté il faut qu'ils partent. Ah bah là, du coup, c'est un peu séparation. Voilà. En tout cas, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.